Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Actu Cofac, le journal web TV du groupe Cofac. Alors pour débuter cette émission, je vous propose de faire un retour en images sur la journée partenaire que le groupe Cofac a orchestrée avec brio le 19 septembre à Lyon. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Le 19 septembre dernier, se déroulait la journée partenaire au double mixte de Lyon, organisée par le groupe Cofac. Véritable temps fort de l'année pour le groupe, ce rendez-vous annuel est un moment de rencontre et de partage essentiel avec les partenaires pour construire l'avenir. Cette année, l'événement a pris de l'ampleur, et c'est autour d'une scène à 360 degrés que se sont réunis plus de 450 invités. Alors cette journée, elle sert à faire passer à nos fournisseurs partenaires ce que l'on attend de leur part pour les années qui viennent, ainsi que de leur donner de la vision sur où le groupe va et nos orientations stratégiques. Au programme de la journée, des thématiques primordiales ont été abordées, avec dans un premier temps la vision stratégique pour dessiner l'avenir de la collaboration du groupe avec ses partenaires, suivie de la présentation des nouveaux projets et innovations. Enfin, le groupe Cofac a présenté le nouveau concept du salon Cofac 2025 et toutes les opportunités qu'il offre aux partenaires qui ont déjà pu commencer à réserver leur emplacement. Ce n'est pas seulement un point à date sur la situation des fournisseurs vis-à-vis de la Cofac et de leur engagement, c'est aussi un engagement sur 2025 avec les projections de nos ambitions et de l'accompagnement qu'on a envie avec eux pour cette nouvelle année qui va démarrer dans quelques mois. Alors ce sont en effet des fournisseurs qui ont été triés par rapport à notre portefeuille aujourd'hui de partenaires. Ce sont des fournisseurs qui sont privilégiés. Aujourd'hui, on est là actuellement dans une pré-vente des stands avec un compteur en live. Et je crois, il y a quoi, à peu près une demi-heure, on était quasiment à... Allez, on peut le dire, 160-170 inscriptions pour notre salon sur à peu près 400-450 places. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'échanges. Là, les fournisseurs s'engagent pour le salon 2025, qui est l'événement le plus important pour le groupe Cofac et pour nos adhérents, hein, puisque c'est là où il y a une grosse partie du business qui se fait pendant ce salon-là. Donc là, c'est l'occasion pour les fournisseurs de pouvoir s'engager auprès de nous pour réussir ensemble avec nos adhérents. J'ai pris un stand de 24 mètres carrés. Voilà. En classe A, avec un maximum de visibilité. Et en salle, c'est vrai que la tarification et les options étaient très très pratiques. La journée a été aussi ponctuée par des remises de trophées qui, comme cela avait été annoncé lors de la matinée partenaire de 2023, récompensent la progression des partenaires selon quatre thématiques. L'innovation, l'investissement dans la RSE, le dynamisme commercial et la meilleure performance. La remise du cinquième trophée a été laissée à l'appréciation des adhérents qui ont voté pour leur fournisseur coup de cœur. Ainsi, Sims Armstrong Thaï, Sebovet, Milwaukee, KS Tools et Singer ont été mis à l'honneur, une manière pour le groupe de les saluer pour leur collaboration. À travers la mise en place de ces trophées, ce sont l'ensemble de ses partenaires que le groupe souhaite remercier, car ils font partie intégrante de la stratégie de développement et de la réussite du groupe. Réussir ensemble, telle est la devise qui donne l'impulsion à tous les projets d'avenir entre le groupe Cofac et ses partenaires. Les trophées fournisseurs avaient en effet été annoncés lors de la matinée partenaire l'an passé et vous pourrez bientôt découvrir sur les réseaux Cofac TV les reportages réalisés auprès de chacun d'eux. Mais en attendant, je vous propose d'en savoir un peu plus sur la mise en place de ce projet de trophées fournisseurs et on se retrouve juste après pour l'agenda du mois. Les 5 trophées attribués à nos fournisseurs lors de notre dernière journée partenaire sont ceux de l'innovation, de la RSE, de la présence commerciale
et de la performance, qui sont quatre sujets qui sont particulièrement importants pour COFAC. Le cinquième trophée, c'est celui du fournisseur préféré de nos adhérents. Ce processus est le résultat d'un travail de plusieurs mois de l'ensemble de l'équipe achat pour identifier tout d'abord les critères de sélection, identifier les nominés et surtout le gagnant. Ce prix est une vraie surprise de rentrée, c'est une récompense, c'est un signe de confiance de la part de notre partenaire COFAC. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté parce que ce sont des années de travail qui ont été récompensées, des années de travail commun d'équipe, de l'ensemble des équipes, c'est compétitif. Les critères qui ont été utilisés pour identifier les gagnants pour chaque catégorie sont spécifiques justement à chaque catégorie et ont été préparés par l'équipe achat. Par exemple, pour l'innovation, on a utilisé la technicité, les avantages produits, l'esthétique, les améliorations techniques, les matériaux, la dimension pratique du produit. Tous ces éléments ont été envisagés et nous ont permis d'identifier les gagnants. Ce trophée a été une belle surprise parce que déjà, il récompense pour 5 trophées l'innovation. C'est déjà une belle chose, je trouve. C'est une vraie valeur ajoutée et une vraie valorisation du travail que l'on fait en fait à Saint-Gemme en France en fabriquant ces produits innovants. Le prix de la performance que je reçois effectivement est une belle surprise. Quand je suis monté sur scène, j'ai pensé à ces 9 années de travail accomplies. Et à la centaine de personnes qui font partie de l'entreprise. Au vu de l'enthousiasme que cela a généré auprès des lauréats et des nominés, nous avons bien l'intention de pérenniser ce concept, quitte à en ajuster certains détails dans les années qui viennent. Pour la première fois, le réseau EPAGRI du groupe COFAC sera présent au salon Le Sommet de l'élevage qui se tient du 1er au 4 octobre à Clermont-Ferrand. Après avoir participé au salon Préventica de Strasbourg en juin dernier, le réseau Securum du groupe COFAC sera présent sur le salon Préventica de Lyon du 8 et 10 octobre prochain. Et alors j'ai un message exclusif pour vous, chers adhérents COFAC. Ne manquez pas les COFAC Days à partir du 14 octobre prochain. Surveillez vos boîtes mail, des offres exceptionnelles vous y attendent. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité du groupe COFAC, vous pouvez suivre la page Facebook et Instagram COFAC TV, vous abonner à la chaîne YouTube COFAC TV ou aller sur le site internet cofactv.fr. À bientôt pour une nouvelle émission Actu COFAC. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée.